Bonsoir tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Je sens qu'il faut que je fasse un nouveau tirage par rapport à Emile. Alors je sais pas si je vais le publier celui-ci parce que j'ai peur que ça fasse trop, hein, puisqu'on est sur la troisième vidéo à ce sujet. Alors c'est malheureusement un sujet qui vous fait réagir et d'un côté j'en suis ravie. Mais bien entendu, toutes mes pensées vont vers ce petit garçon et l'objectif, c'est d'essayer d'apporter des messages que je ressens, que j'ai du mal à identifier sans mon support, mais qui me font dire qu'il est temps d'effectuer un troisième tirage compte tenu de l'arrêt des recherches qui a eu lieu ce jour. Alors, on a appris que de manière définitive, on avait demandé aux bénévoles et aux forces de l'ordre qui était en recherche d'arrêter. Donc il y a eu une grosse déception au niveau des bénévoles de ne pas avoir eu de réponse. Mais je crains que sur le premier tirage que je vous avais présenté où je parlais d'une tierce personne, alors on parle aussi d'une hypothèse où il aurait pu tomber dans une falaise. Visiblement c'est une région escarpée. Et cet enfant marchait plutôt vite. J'ai quand même un petit peu regardé les informations et j'ai entendu aussi que d'autres personnes étaient présentes dans le foyer des grands-parents, à savoir des oncles, des tantes et d'autres enfants, plus ou moins grands. J'ai entendu qu'une voiture avait été analysée avec des traces de sang et que finalement il s'agissait de traces de sang animal. Donc, on n'en sait pas plus. Donc là, j'ai la fascination. Donner. Seul. Supprimer. Rire. Comique. Alors bien sûr, c'est ironique. Peut-être, en l'occurrence, dans ce tirage, il n'y a rien de très comique. Mais ça peut vouloir parler du comique de situation. Et peut-être de personnes auxquelles on n'a pas pensé. Je vais recouvrir avec des dessins du jeu de haut. Avant d'utiliser un autre jeu, je vais prendre le cop coupé. Alors, la fascination pour l'évolution, la croissance. On nous parle ici des auras de la personne, donc plutôt quelque chose d'énergétique. Ce petit garçon était plein de vie, visiblement, là aussi, le tirage avait plutôt indiqué une personnalité très dynamique, un petit garçon très intelligent, et ça a été confirmé par la suite dans ce que j'ai pu apprendre dans les médias. Alors, est-ce que c'est le tempérament de ce petit garçon qui fascinait quelqu'un? Parce que pour moi, il était quand même observé. Il y avait quelqu'un qui observait. Alors, ça couvre la carte donnée. Et donc, on peut constater ici le serpent, le poison, le vice. Se faufiler comme une couleuvre. Donc, on peut aussi voir l'image diabolique, quelque chose qui pourrait venir sous une autre apparence, séduire cet enfant pour le détourner de sa maison. Mais pour moi, on aurait aussi pu lui donner un médicament ou un poison, quelque chose de toxique. Alors pour la carte de la solitude, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour Emile ? La douleur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'agression. Et pour le moment, donc on nous dit qu'il s'agirait d'un lieu où il pourrait être séquestré, retenu, ou alors qu'il n'y aurait qu'une seule personne aussi qui aurait pu agir
contre le bien-être de cet enfant. Supprimer, on est sur la relation, je dirais peut-être père et enfant, ou mère et enfant. On a voulu supprimer quelque chose hein, dans la relation familiale. Je pense vraiment que malheureusement, on apprendra que les parents connaissent ou qu'il y a quelque chose dans ce genre. On a voulu couper le rire, mettre fin au bonheur. Qu'est-ce qui pouvait être comique? Ce qui ressort comme étant comique aujourd'hui, c'est la personne qui est seule, qui recherche, qui est désemparée, qui regarde par cette fenêtre où le soleil brille et qui pourtant lui est représenté de noir. Donc c'est quelqu'un qui se rit de la situation et qui potentiellement agit par vengeance peut-être. Maintenant, je vais essayer de savoir si on va retrouver Émile en bonne santé. En bonne santé physique et morale. Donc, je vais poser cette question avec un autre jeu. Voilà, pour celui-ci, pour le moment. Merci beaucoup. Ah. Nous allons tirer trois cartes. Un jeu classique de 52 cartes. Alors, j'ai repris le jeu que je vous ai présenté, donc Joséphine. Puisque là, je vais essayer par le tirage de trois cartes d'avoir plus d'éclairage sur l'état actuel dans lequel se trouve ce petit garçon. Donc, je vais demander si on peut nous en dire plus sur son état actuel au bout de 4 jours. De disparition dans des conditions climatiques, je le rappelle, qui sont compliquées parce qu'il fait très très chaud la journée. La nuit là-bas, il paraît qu'il ne fait que 12-13 degrés, donc c'est très peu. On parle d'un petit enfant donc qui pourrait vite être déshydraté et puis qui pourrait avoir très peur. Bon, je vous explique des banalités finalement, vous le savez déjà, donc je vais me contenter de tirer ces cartes. Allez, est-ce qu'on peut nous dire plus de renseignements sur comment se porte le petit Émile aujourd'hui? Donc nous sommes le mercredi 12 juillet et il est 21h53 au moment où je fais cette vidéo. Je vous assure que je ressens de plus en plus de choses qui me contrarient. Alors, le 8 de cœur peut symboliser, je le rappelle, une jeune fille blonde. Oui, quelqu'un qui aurait aux alentours, en tout cas moins de 30 ans. Moins de 30 ans, blonde. Ici, le 8 de cœur sera l'endroit. Donc, on nous parle de satisfaction. Sur le plan familial ou sentimental, on va tirer pour élargir le jeu et regarder un peu plus précisément sur quel domaine. On a un contrat ici. Donc l'as de pique qui ressort ici indique dans ce sens de tirage plutôt une lettre, quelque chose qui va toucher la famille. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette situation. On va en apprendre plus par un document, par une lettre, par un écrit. Peut-être des traces de quelque chose, ou en tout cas, il pourrait y avoir quelqu'un qui ait laissé un écrit quelque part. J'ai vu que certains avaient commenté par rapport à la publication de la maman. Alors, il paraît que c'est une prière en fait qui fait part de ce passage dans la montagne d'un enfant égaré. Je vous cache pas que ça m'a paru un petit peu étonnant vu les circonstances. Mais je crois qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a perdu son enfant et qui doit être dans le malheur et la tristesse. Et je pense que la personne qu'elle nous a demandé de prier pour ceux qui le souhaitent
Parce que du coup, c'est quelqu'un qui a dû être sanctifié, donc qui a dû, à mon avis, certainement vivre des choses très compliquées, parce que pour pouvoir être reconnu comme saint, en général, il fallait avoir une vie très particulière. Donc peut-être est-ce que c'est en lien avec ça. En tout cas, ici, on nous sort en troisième position quelqu'un de possessif, un homme indépendant qui se montrerait plutôt comme quelqu'un d'exclusif. Donc on nous parle quand même d'une personnalité autour de cet enfant un peu sombre et masculine. Est-ce que je pourrais avoir des informations supplémentaires sur comment se porte Émile? Comment se porte-t-il? Elle est tombée d'elle-même. Donc nous avons ici la carte de la Dame de Trèfle. La Dame de Trèfle qui représente, dans ce sens précisément, une femme prévenante, dévouée. Donc on pourrait mettre en cause deux personnes, une femme, un homme. Cette dame en général est représentative des femmes brunes de plus de 30 ans. Donc on pourrait être confronté à un couple dont l'homme aurait des cheveux plutôt clairs, a priori, et la femme serait plutôt brune naturellement ou grisonnante. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais bon. Voici le 8 de carreau. Donc pour l'état toujours de ce petit bonhomme, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des démarches, que quelque chose a été fait, mis en place. Est-ce qu'on voudrait nous parler peut-être de préméditation alors? Par-dessus, je tire un deuxième 8. Donc ceci est à détailler. Donc quand on a deux 8, en général, il y a vraiment une symbolique à part. Et celle-ci s'indique donc comme suit. Si vous connaissez un petit peu ce jeu, vous avez une carte qui reprend tout ça. Je ne les connaissais pas de tête moi non plus. Donc je m'aide avec ce support. Je ne connais pas cette façon de tirer. Donc quand on tire deux 8, c'est au sujet d'une rencontre. Donc potentiellement quelqu'un qui aurait fait une rencontre. Ou peut-être que ce serait quelqu'un qui serait venu dans la famille, qui aurait été présenté à la famille, qu'on ne connaissait pas avant. C'est quelqu'un qui peut-être est rentré dans la famille ce jour-là, qui aurait été présenté ce jour-là. On nous parle du roi de carreau renversé. Oh pardon, j'ai fait bouger le socle. Le roi de carreau, mais non, non, le roi de pique renversé, ça représente l'autorité. On nous montre un parent familial, donc un parent dans le sens de la famille, pas des parents géniteurs, mais qui est très détaché de la situation, qui est plutôt quelqu'un d'insensible. Donc on nous parle de quelqu'un qui pourrait avoir agi sans aucun remords. Après avoir observé, et malheureusement cette carte est la plus mauvaise du jeu, hein, c'est vraiment des nouvelles affligeantes. Je suis vraiment désolée de pouvoir dire ça ainsi, mais là on est sur la malhonnêteté et les abus de confiance, les escroqueries. On est sur vraiment un mauvais environnement concernant cet enfant. Donc on ne nous parle pas vraiment de son état actuel, mais on nous parle bien de son entourage qui n'est pas positif. Je vais essayer de voir si, avec les grandes cartes du jeu de haut et en le combinant avec. D'ailleurs, non, je ne vais pas reprendre les grandes cartes. Je vais faire qu'avec les petites cartes comme l'autre fois. Et on va voir ce que ça veut nous dire si j'arrive à obtenir des informations sur l'état dans lequel il se trouve pour le moment. Donc, je vais éviter de prendre le Tando qui est plutôt pour les couples. Parce que pour le moment, je ne me permettrai pas de cibler spécialement un couple en particulier. Donc celui-ci, je vais le laisser de côté pour le moment. Ici, on est sur le stress, oui, tout ce qui peut représenter des angoisses. Donc je vais peut-être me servir de celui-ci, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est avec celui-là que je vais commencer. Comme ça, vous les avez bien vus.
Alors c'est un peu bizarre hein, parce que je vous dis, je sais pas du tout si cette vidéo atterrira sur mon fil YouTube, mais pour moi ce soir c'est très important, donc je me mets vraiment à l'écoute d'Emile et je vous demande d'être patient pendant que je me concentre. Merci. Je l'ai déjà eu avant. C'est un sacrifice. Alors, j'ai une interprétation bien précise de ça. On peut parler de trafic d'organes. On peut parler de... Comment ça s'appelle ? D'abus de confiance, d'abus de faiblesse. De quelqu'un qui pourrait avoir abusé... avoir pris la vie de cet enfant, en fait. Hein, puisque le cœur, organe vital. Donc, je recommence à mélanger. Qu'on peut nous en dire plus sur l'état dans lequel se trouve ce petit Émile, disparu samedi 8 juillet. Aujourd'hui, qu'en est-il en ce mercredi 12? Mercredi 12 juillet pour Émile. On nous représente à nouveau la maman suivie des enfants. La maman qui joue du pipeau quand même. Hein. On nous présente aussi une situation de campagne, donc ça représente visiblement la région. Hein. On est dans une instabilité, dans quelque chose de bancal. Ça peut représenter quelqu'un qui est handicapé. On peut voir aussi ici cette tache sombre qui pourrait représenter... Alors, il y a différentes interprétations. On pourrait considérer que c'est l'ombre de la personne. Et en même temps, on pourrait voir ici quelque chose qui ferait penser... à de la sécheresse, une zone sèche avec une flaque d'eau, éventuellement. J'essaye d'avoir des indications de lieu aussi. Mais pour moi, on parle d'une personne qui se retrouve handicapée par la situation ou qui est déjà handicapée par la vie et qui... Oups! Alors ça, c'est pas mal. J'ai perdu la lumière l'espace d'un instant. Du coup, quelqu'un qui, ouais, qui serait bancal peut-être dans ses choix. Donc, j'ai fait tomber aussi cette carte en même temps que j'ai coupé la lumière. On est sur un échiquier. Donc, quelqu'un manipule le jeu. C'est aussi un indicateur sur une relation de force, stratégie. Peut-être que quelque chose va être demandé à la famille ou peut-être que ça a été vraiment préparé. On pourrait être dans un plan stratégique. En tout cas, il y a quelque chose en opposition entre les deux parties. Donc, il y aurait bien deux parties qui seraient concernées dans cette affaire. Est-ce que l'enfant aurait pu servir peut-être de vengeance? Et quand je dis ça, j'ai cette carte qui arrive. Donc, la carte de l'incendie. L'incendie qui a lieu dans un village. Alors, bon, physiquement, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il serait caché dans un lieu qui aurait pu être incendié? Ou est-ce qu'on nous annonce ici une force... Le feu, c'est aussi la force sacrée. Ça représente la vie, mais c'est destructeur. Et là, c'est très destructeur. Donc, est-ce que cette partie d'échec se termine mal? En tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est que pour Émile, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de nous communiquer à travers ces énergies, un message. J'ai ces deux... Alors, plusieurs, pardon. J'ai trois cartes, mais alors il y en a une qu'il va falloir que je cache. Comme souvent, ici, on a une femme assise, représentée, qui est nue, qui est blanche, et elle a une... elle a une ombre, ici, derrière elle, qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, ici, on peut nous parler de quelqu'un qui observerait peut-être cette femme... qui aurait été jaloux de sa vie de couple et qui était passionné envers cette femme. On pourrait nous parler peut-être d'un amant. Donc, quand je disais tout à l'heure les écrits, on va avoir des écrits, quelqu'un va se confier par écrit, on aura des nouvelles par écrit de quelque chose. J'ai de nouveau la carte de l'arc-en-ciel avec la symbolique LGBTQ+. Mais également le paysage gracieux, la paix, la joie, ça peut nous donner peut-être aussi une tendance sur ce qui peut arriver.
Et avec un peu de chance, on pourrait avoir une bonne surprise. Je vois qu'il y a une zone d'eau qui est indiquée entre des arbres. Est-ce que au milieu de la région dans laquelle il vit, il y aurait des rivières, des lacs, des fleuves? Je n'ai pas regardé du tout, mais il se pourrait qu'il faille regarder dans des zones d'eau, si tel était le cas. Et que peut-être il n'est pas trop tard, si on a l'arc-en-ciel au bout du chemin. Non, mais alors malheureusement, ça se confirme pour cet enfant, on a vraiment de mauvais présages. Il a été observé par le mal, par le messager du mal. Alors, il va falloir prendre du temps. Et avec le temps qui est représenté par le sablier qui commence juste à s'écouler. Donc, on va batailler pour l'instant à avoir plus de nouvelles. Deux personnes représentées ici, une personne du coup qui semble énervée, crier ou peut-être paniquée, en colère, je ne sais pas, et une personne féminine qui lui tourne le dos. On pourrait penser qu'il y a quelqu'un qui exerce sur une femme une certaine autorité ou qui aurait été tentée de s'immiscer dans la vie de cette femme de force puisqu'elle ne donne pas son accord, on ne voit pas son visage. Peut-être que cette femme ne se sent pas concernée. Cette femme ne veut pas se montrer, en tout cas. Ouais. Donc le petit, pour moi, on nous parle d'un piège. On nous parle vraiment d'un labyrinthe. Il est coincé quelque part. Et la personne qui le détient est en train de réfléchir sérieusement, tel le penseur de Rodin, là, On nous dit que cette personne prend du recul sur ce qui s'est passé. Il y a vraiment une tierce personne pour moi. J'ai déjà eu cette carte aussi par le passé, quelqu'un qui se voile la face et qui tombe à la renverse dans le vide. Donc on est face vraiment à quelqu'un qui a fait un déni par rapport à ses actes et qui aujourd'hui n'est pas prêt à parler, en tout cas pas pour le moment. De nouveau la carte du chagrin qui pourrait symboliser la grand-mère. La mère qui viendrait consoler la grand-mère et le petit enfant. On pourrait aussi voir la mère de famille avec une sœur, une fille aînée, une amie, une cousine et un autre enfant. Donc le chagrin est vraiment là au niveau des grands-parents ou au niveau de l'entourage de cet enfant. Ici, je tombe sur la carte des symboles, peut-être des menhirs, des choses comme ça. Donc on est dans l'occulte, on est dans le rituel, on est dans l'autel et le sacrifice potentiel. Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire là-dessus? Alors j'ai cette carte qui sort, une personne qui est assise face à la mer, seule, avec un bateau ou un canoë ou une petite barque. Donc quelqu'un qui peut soit réfléchir à l'étendue des dégâts, soit implorer dans la nuit quelque chose. Aïe, 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 aïe. Bon. Ouais, il y a pour moi... Bon, bah, je pense que là, je vais m'arrêter ici. Pour éviter de m'attirer des soucis, je crois que cette carte vaut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. J'ai celle-ci qui vient de m'échapper des mains, donc on est dans la réjouissance de personnes cravatées. J'arrive pas à en voir plus. Je vais recouvrir la carte du sacrifice et des autels parce que je voudrais vraiment... Comment vas-tu, Émile? Émile. Ouais, alors la carte, je peux la montrer, elle n'est pas trop violente, mais elle n'est pas super quand même. Je tiens à vous prévenir. Donc, il se trouve enfermé quelque part. Je pense qu'il a été drogué ou assommé. Pour moi, il n'a plus beaucoup de force, si tant est qu'il en ait encore. Ouais, et puis alors c'est triste parce qu'à chaque fois que je voudrais arrêter, j'ai envie de continuer parce que j'aimerais savoir plus. Et là, on voit des enfants qui se réjouissent dans un cimetière, des gens qui font la ronde. Donc, je crains qu'on ait de mauvaises nouvelles à venir concernant cet enfant. Ce que je peux essayer encore une fois de faire, c'est de faire un tirage avec l'oracle de la voix des âmes. Je vais essayer de demander
Alors pas au petit, hein, bien sûr, parce que moi je pars du principe que cet enfant peut être retrouvé vivant, je l'espère vraiment, donc je ne m'amuserai pas à essayer de faire comme pour Delphine par exemple, où là on a la quasi-certitude que malheureusement elle n'est plus, décidément, elle n'est plus avec nous. Décidément, hein. C'est pas les coupures de l'État, hein. C'est moi qui marche sur la prise en fait, tout bêtement. Oui, il faut assumer quand on fait des trucs idiots, même si vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Je préfère pouvoir en rire avec vous finalement. Puis bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui en commentaire vont dire après que j'ai eu un souci avec ma lampe. Donc non, c'est un souci avec moi-même, hein. Je marche sur l'interrupteur. Allez, cette petite parenthèse faite, je vais donc sortir l'oracle de la voix des âmes et me connecter à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Moi, j'ai ma façon de faire et je n'en parlerai pas, bien volontiers. Mais je vais me connecter pour Émile afin de savoir si... On peut nous donner des informations sur son état de santé actuel, voir si on peut nous dire, eh ben écoutez, il y a déjà une carte qui est tombée. L'abondance. Alors c'est plutôt une belle carte. C'est plutôt rassurant. L'abondance, c'est vrai qu'on peut y voir forcément la lumière du soleil, la croissance de la végétation. Et dans quel sens cette abondance va-t-elle se concrétiser? Elle va se concrétiser bientôt. Alors, est-ce que ça va être l'abondance de retrouver cet enfant en bonne santé? Parfait, j'ai deux cartes qui viennent de tomber d'elles-mêmes. Donc, nous avons malheureusement une carte positive et une carte plus négative. Donc, la carte qui est sortie est la carte de l'amour. Sur l'abondance, donc ça c'est plutôt positif. Et ici, ce que je sors comme carte sur la carte de bientôt, c'est que c'est le poids des larmes en fait qui ressort. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire. Donc ce que je vais faire, je vais m'aider du livret, bien que pour moi, là, j'ai la réponse à ma question sur l'état du petit Émile. Alors sur la carte de l'abondance, ce que nous dit le livret, c'est que... Alors je vais peut-être pas... Oui, voilà, on va voir ça. Donc c'est un conseil qu'on aurait pu apporter, je pense, à cet enfant. On lui disait qu'il pouvait avoir tout ce dont il avait besoin, mais qu'il fallait écouter les conseils. Une partie de ses énergies circule trop vite. Alors il a pu croire qu'il était assez grand, en fait, pour prendre cette autonomie. Tu as avancé trop rapidement et tu n'as pas pris le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités que nous avons mis sur ton passage. Rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre ni de les comprendre. L'abondance était là, très accessible. Il aurait fallu prendre le temps de se poser, de discuter avec lui, et alors il se serait rendu compte que dans le plus grand des calmes intérieurs, il pouvait se faire entendre de son entourage. Donc on lui conseillait d'avancer par étapes, qu'il fallait être prudent dans son quotidien. Je pense que c'est un enfant vraiment qui était très autonome et qui avait l'habitude de faire beaucoup de choses tout seul. Il devait très bien s'exprimer, je pense également. J'ai vraiment la notion de communication en tête. Donc pour moi, c'est un enfant vraiment très intelligent, avec beaucoup de facultés. Donc le message de l'amour aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire attention à ne pas chercher l'amour chez les autres. Et là, on peut penser que cet enfant a été dupé par une personne qui lui aurait fait croire être bienveillante.
Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Donc, finalement, il aurait fallu qu'il ne fasse pas confiance à cette personne. Il est trop petit pour le savoir. Donc, on dit que son âme est merveilleuse, mais en étant incarné, du coup, il était imparfait. Comme tout le monde, en fait, sur cette terre. Il a eu des expériences quand même de son vivant qui ont été un peu compliquées. Je ne saurais pas dire à quel niveau et je ne veux pas aller trop loin. Donc, on va apprendre des choses sous 3 mois, visiblement. On nous parle d'un délai de 3 mois. Alors, ça peut aussi être 3 semaines parce que c'est le chiffre 3 qui ressort le plus. Est-ce que 3, oui, on pourrait obtenir des informations peut-être d'ici 3 semaines, voire 3 mois. Enfin, c'est toujours, excusez-moi, une situation qui rappelle les mots doux, les je t'aime, les déclarations d'amour dans cette carte. Et en fait, on nous parle de quelqu'un qui aurait du mal à exprimer ses sentiments envers son enfant ou envers ce petit garçon, peu importe la place qu'il occupait dans sa vie. Et Émile attendait beaucoup plus de preuves d'affection et d'amour de cette personne. Aujourd'hui, cette personne a conscience qu'il aurait dû et faire mieux. Et on me dit, j'entends là, c'est plus du tout par contre au niveau des tirages, mais il va falloir peut-être que ça va parler aux parents. J'entends le mot rose, alors je pense que ils vont avoir des symboles, des roses, des choses qui vont indiquer des présences, des choses à suivre. Ouais, peut-être le soutien d'un guide ou ça peut paraître abstrait, mais si jamais ça leur parle, je dis tout. Et puis chacun interprétera comme il le souhaite. Donc bientôt pour nous, on va apprendre quelque chose. Là, on est très impatient et c'est bien normal. Et on nous invite à accepter en fait le rythme qui est imposé par cette enquête. En effet, il y a des imprévus qui se sont produits au niveau des témoignages. Je pense que les enquêteurs ont appris des choses, peut-être qu'ils n'ont pas encore vraiment analysé quoi, mais au milieu de tout ça, il y a des informations qui leur sont parvenues. Il y a eu quelque chose au niveau d'un matin. Donc le matin, il y a eu peut-être quelque chose dans la matinée de la disparition du petit, un événement particulier qui aurait pu sauter aux yeux de la famille. Donc je les invite, s'ils voient cette vidéo, à se remémorer le matin du samedi où Émile a disparu. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est à creuser. En tout cas, on nous dit que tout va prendre un sens bientôt et qu'on en saura plus. Que la famille donc sera très entourée et elle l'est déjà beaucoup au niveau spirituel. Donc on est vraiment, je pense, par rapport à une famille pratiquante, de quelque religion qu'elle soit, avec la foi néanmoins. Alors peut-être pas pratiquante, pratiquante, mais des gens qui ont la foi. On nous dit encore qu'il y avait une charge mentale au niveau de cette famille, quelque chose qui n'était pas facile au quotidien et qu'on a essayé d'alerter par rapport à tout ça. On a essayé aussi de trouver une nouvelle organisation dans la vie quotidienne. Il y a eu comme ça une course après le temps qui était un peu effrénée. Et avec ce rythme extérieur, on avait l'impression d'être complètement dispersé, de ne pas pouvoir être concentré sur la vie familiale. Donc peut-être qu'Émile aussi se sentait autonome parce qu'une famille très occupée. Et aujourd'hui, bah, évidemment, cette famille n'est pas encore prête à entendre les choses, je pense, et nous y reviendrons plus tard. Si jamais je publie cette vidéo, je préfère ne pas aborder ce que j'ai reçu comme information. Par contre, ça me met vraiment en colère. Ça me perturbe beaucoup, ça me met vraiment en colère et ça me fait ressentir de l'injustice profonde. Je conseille aux gendarmes et aux forces de l'ordre de ne pas trop s'éloigner du village. Au niveau du poids des larmes, on apprend forcément qu'il y a une douleur émotionnelle qui se situe autour de cet enfant, que cet enfant a été vraiment très triste. Il s'est passé plusieurs jours où il n'a pas pu refouler ce qu'il ressentait. On sent les larmes vraiment dans le dessin, là, elles sont bien représentées. Et en fait, on est sur une situation de perte.
une situation qui répond à un mécanisme de pensée. Donc, je pense que cet enfant s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, mais qu'il était trop tard. Il fallait absolument pour lui qu'il s'exprime. Donc, il a pu pleurer, crier. Et à ce moment-là, c'était peut-être quelque chose qui lui a été empêché. Voilà comment je vais le dire. Les problèmes pour moi, en tout cas la situation actuelle a été engendrée il y a environ 6 mois dans la vie de cette famille. Il faut regarder ce qui s'est passé il y a 6 mois autour des énergies de cette famille et des émotions. Il y a quelque chose dans la vie de cet enfant qui s'est figé. Il a eu très peur, il y a eu quelque chose qui était très négatif. Du coup, quand il s'est senti en danger, malheureusement, ben, il y a quelque chose qui a changé dans son comportement. Aujourd'hui, ben, on comprend que cet enfant, malgré cette notion du danger, avait ben, peur de pas grand-chose et peut-être un peu la tête dure, ce qui a fait qu'il a continué à explorer le monde en partant tout seul. Donc, on nous dit que c'est une personne qui est très triste aujourd'hui, donc ce petit garçon, qui n'est pas du tout forcément triste à cause du moment du départ, mais plutôt parce qu'elle n'a pas l'impression de pouvoir rentrer. Donc on nous dit que pour la famille, le poids des larmes sont nuisibles pour cet enfant. Et qu'il faut surtout penser à prier et à s'envoyer par prière de la douceur et de la bienveillance. On me dit, moi, que j'ai cet enfant qui me montre quelqu'un. Et là, c'est pas du tout dans les cartes. J'ai cet enfant qui est habillé avec une petite chemise, qui regarde en l'air et qui montre quelqu'un, un adulte, un homme qui possède alors une veste en jean ou une chemise en jean, une surchemise en jean. Quelqu'un, je pense, qui est brun, avec des grandes mains. Je vois pas son visage, hein. J'ai pas le visage, je vois le corps. Donc j'ai quelqu'un qui est grand, charpenté. Je pense que j'ai la vue à la hauteur de ce petit garçon. Je vois qu'il a des grands pieds, des chaussures, pas des chaussures de ville, des chaussures bateau un peu, vous voyez. Et le petit garçon le connaît sans le connaître, il est intrigué par cette personne. J'ai aussi le message que Émile a été mis. On lui a donné un défi, on lui a parlé d'un jeu, on lui a proposé quelque chose, une activité. On lui a demandé de ne pas en parler. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'avait potentiellement proposé de faire une partie de cache-cache, par exemple, et que je ressens ça maintenant. Mais en tout cas, il y a quelque chose de caché où on lui a dit de ne pas dire. Et ce qui devait être au départ inoffensif, il s'est rendu compte par la suite que ça l'était pas du tout. Ça l'a rendu très malheureux parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On parle aussi d'une histoire qui lui a été racontée, une histoire qui concerne alors peut-être la chèvre de Monsieur Seguin. Est-ce que c'est une histoire qui aurait pu être lue plusieurs fois? L'enfermement, hein. La violence, le ras-le-bol, le craquage, la coupe est pleine. Une personne narcissique, une personne qui peut-être n'arrive plus à se regarder dans le miroir parce qu'on ne voit pas son reflet. Une personne qui regrette de nouveau la détention, peut-être dans une cave, hein, dans un endroit enterré, semi-enterré, profond, je sais pas du tout. Mais ouais, c'est pas la première fois là non plus. La carte de l'apprentissage, donc ça peut aussi vouloir nous parler de quelqu'un qui serait en lien avec la scolarité.
un professeur. La chèvre de Monsieur Seguin, donc c'est sûrement peut-être cette sensation qui ressort ici. Et j'ai de nouveau des écrits. Voilà pour ce que je peux dire sur Émile. C'est un troisième tirage qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'on a eu quelques informations complémentaires. J'espère que le son aura été meilleur cette fois-ci et que vous pourrez entendre correctement cette analyse qui date donc de ce mercredi soir, 12 juillet, et que je tiendrai certainement à jour en fonction des différentes avancées de l'enquête et des demandes éventuelles. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent. Je vais aborder plus... j'ai une vidéo qui concerne l'État français et le soutien militaire à l'Ukraine. Et j'ai une vidéo qui concerne aussi un cold case français qui saura vous intéresser, je pense, puisqu'il s'agit de l'affaire... Est-ce que je vous le dis ou pas ? À votre avis. Allez, je vais vous donner des indices. Peut-être qu'en commentaire, vous pourrez me noter à votre avis quelle affaire de cold case, je pense, aborder. Donc, bien sûr, une affaire française de préférence. Et donc, je vais vous donner l'indice suivant. Bateau, enfant, découverte petit à petit et docteur. Je pense avoir été relativement sympa dans mes indices. Allez, tous aux commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.